Ibrahima, ton début avec l'équipe A, est-ce que tu l'avais attendu ou pas? Franchement, non, c'était pas du tout attendu. Voilà, je l'ai su il y a deux jours de cela que j'allais sûrement jouer ce match aujourd'hui. Ça m'a surpris, j'étais content. Bon, je m'y attendais pas, mais voilà, je me suis préparé en deux jours mentalement, etc. Parce que c'est sûr que c'est pas un match professionnel, ça se prépare pas comme un match qu'on joue en réserve, surtout devant un public, des supporters, et surtout c'était un match d'Europe aussi, ma première aujourd'hui. Est-ce que tu avais du stress avant d'entrer sur le terrain ou pas vraiment? Franchement, c'était pas du stress, c'était une appréhension. C'était plutôt une appréhension, bah, le fait de jouer avec un public, des supporters, des chants, la télé, tout ça rentre en compte. Donc c'était plus de l'appréhension, pas vraiment du stress. Et puis sur mon premier ballon, voilà, tout est parti quoi, et on n'entend plus rien sur on n'entend plus rien sur le terrain quoi. Et comment tu l'as vécu? Comment je l'ai vécu? Ouais. Juste encore une question, est-ce que le coach t'avait dit avant le match que tu allais entrer ou pas? Non, pas vraiment. Certes, on peut dire oui. Garde bien Mike, le micro. Mike m'a dit qu'il n'allait sûrement pas finir le match. Donc le coach a dit certainement, si doit rentrer, bah, voilà, il m'a montré les coups de pied arrêtés, etc., pour bien me préparer au cas où si je devrais rentrer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, j'ai joué 30 minutes, 30 bonnes minutes hein, pour bien me préparer pour le futur, j'espère bien. Et maintenant, à continuer? Ouais, j'espère bien. j'espère bien continuer sur cette longueur. Et puis voilà, j'espère que ça m'en emmènera le plus loin possible. Peut-être une bonne idée de... Allez, attends. Je trouve pas le mot. Peut-être une bonne idée de t'introduire pour les gens qui est Ibrahima Cissé. Ah oui, hein, je suis un jeune joueur hein, qui est arrivé ici à Gand il y a 2 ans et demi, bientôt, ouais, 2 ans et demi. Donc voilà, aujourd'hui, après 2 ans et demi au club, le coach m'a donné cette chance de pouvoir jouer dans le monde professionnel. Également aussi remercier le coach de la réserve, Emilio Ferra, qui nous accompagne bien cette année en réserve, qui nous apprend beaucoup, et c'est ce que j'ai pu mettre en œuvre aujourd'hui sur le terrain. Ok, merci beaucoup. Merci bien. Peut-être encore une petite question? Oui. Tu peux enlever juste un moment le masque. Voilà, les gens peuvent te voir, sinon ils ne savent pas qui est. Okay, merci beaucoup. Merci bien. Ok. Merci vraiment. Merci.